Et comment ils vont? Je vous l'avais plus ou moins promis, enfin ça dépendait de vous, mais voici l'épisode 2 des tours de magie les plus ratés, les plus cringeants, comme ce que je viens de faire. Et cette vidéo, évidemment, c'est la suite de la vidéo numéro 1 que vous avez vue il y a quelques temps, parce que la 1 vous a pas mal plu, et ça fait vraiment plaisir. Là, on passe sur un épisode 2, j'espère vraiment que ça vous plaira. On perd pas de temps, on est parti pour des tours de magie vraiment ratés. La grande illusion. Let's go. Ok, encore un télécrochet. American's Got Talent, je pense. Un truc comme ça. Ok, stylé. Pour l'instant, clean, hein. Oh bordel, non! Non! Parce que c'était à ça! Quand un tour de magie est à ça de réussir et qu'il se passe un truc et c'est à une seconde près, je crois que même les spectateurs sont autant frustrés que le magicien parce qu'on voulait y croire jusqu'au bout. Et là, il s'est passé exactement ça, quoi. Il s'en est rendu compte, le mec, ou pas? Je sais même pas, en fait. Thank you very much. Can I ask you, doing? You made a few mistakes there, right? The illusion went perfect. So when the thing dropped down, that was deliberate. Il y a pas de réponse. Oh, qu'il a été un bâtard. On sait pas si. Oh, ok. Alors par contre, là, il y avait un truc très drôle. C'est à la fin du tour, le mec qui fait. Il sait très bien qu'il a raté, quoi. Et le mec après, ce qui est génial, c'est que malgré ça, ce qui est quand même genre violent. Le mec du jury se demande s'il y a eu un fail. Il est quand même un peu dans l'interrogation. Il se demande si t'as voulu ou... C'est fou quand même. Parce que nous, on sait très bien. Enfin, on le voit, quoi. Et c'est fou que le mec a quand même un doute, quoi. En direct de Pologne. À l'émission en direct, du coup. Ok, ce tour. Oh, ce tour. Je vois très bien comment il va rater. Parce que de toute façon, c'est... Voilà. Comme vous le voyez, en gros, le mec, il a 4 sachets. Il a 4 sachets et dans un des sachets il y a un clou en fait et il mélange. Et il demande à quelqu'un de mélanger je crois, donc personne ne sait où est le clou à la fin. Et je crois qu'il prend sa main et tu sais il prend sa main et il l'écrase. Un sachet que les gens lui disent de choisir. En mode ouais celui-là, ok, bam, celui-là, ok. Et le dernier celui où il y a le clou. Forcément je pense qu'il va se niquer la main quoi. Allez, la joie, c'est important, la joie. Żebyście... Nie chcę tej z gwoździem. Nie chcesz tej z gwoździem? Marzenka cieszy się, że ona każdy siadać nie doskonale. Każe. Doskonale. En fait, on sait que ça va arriver. Et le mec en plus... Zrobimy na 3, dobrze? Uważaj. Ok, pause. Il prend la main de la meuf. Si ça se passe avec la main de la meuf... Je vais très mal. Je vais très mal. Ok. Allez. Kurwa, przepraszam. Przebiłem ci rękę. Naprawdę, przebiłem rękę. Przepraszam. Ała, ała, to bolało. Słuchajcie, to... Nie... To bolało, ała. Łapam was, niech to się nie dzieje naprawdę, niech to będzie tylko i wyłącznie... Ała. Chodź. Ała. Okej. Okay. Ah, ça m'a cringé, ça m'a... Je sais pas si vous l'avez ressenti aussi. Quand c'est la main du magicien, ok, c'est son problème, on va dire. Tu vois, c'est vraiment... Enfin, tu vas le dire, c'est genre... C'est son tour de magie, ok, il rate, il a pas... il s'est pas entraîné assez. Mais là, il a demandé à la présentatrice de lui prêter sa main. Et tu vois que la meuf, elle a douillé vraiment, quoi. Et le mec a dû changer de carrière, mais très vite, hein. Waouh, tête de pays, même, hein. Tête de pays, parce que... Waouh, c'est... Ouais. Allez. Ah, il m'a mis mal. Elle a dû touiller, par contre. Ouais, attends, stop. On passe d'un clou, et là, je vois tout avec de l'acide. Qu'est-ce que tu vas faire? On sait tous que c'est pas bon pour le corps, oui. Qu'est-ce que tu... Non, attends, par contre. Une fois de plus, c'est un télécrochet.
Il y a un public, il y a des gens. Ok. Bon, en gros, je pense qu'il y aura un délire comme avant avec les clous où bah, il y a un des quatre verres où il y aura de l'acide et l'autre de l'eau. Enfin, les autres de l'eau et peut-être qu'il va devoir boire le bon. C'est la première fois que je vois ce tour de magie là. Le principe, on le connaît, c'est une sorte de roulette russe, tout ça, mais là avec de l'acide. En plus, il va le boire, bah, 100% sûr, il va le boire, sinon ce serait pas dans cette vidéo, tu vois, on serait pas en train de regarder ça. Je vais te piquer le safe one. Ok. Donc là, il explique clairement, il va essayer de prendre les bons, quoi, pas l'acide. Il dit, voilà, le 5 est bon. Est-ce que c'est lui? Oh, je suis pas bien. Oh, la vérité, je suis pas bien. Frère, c'était le premier? Là, les gens réalisent que... Non, 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 non. Je suis pas bien. Oh, c'est un guerrier le mec hein. C'est un guerrier putain parce que le mec il continue alors qu'il vient de boire de l'acide. Et là il va dire voilà le deuxième est safe. Et là les gens vont comprendre qu'il a bu de l'acide quoi. Donc là, tout le monde vient de comprendre qu'il vient de boire de l'acide. J'ai juste besoin de 2 secondes là. Oh bordel! Wouah! Attends, mais. Ok. Juste 1 seconde. Le mec a été hyper fort. Le mec a été fort, mais le. Oh, le malaise, il était tellement présent. C'était un truc de fou. Ok, wouah! Ok, ok, ok. Non, parce que vraiment, il y a eu un truc là où c'était vraiment. Tout le monde a vu qu'il a bu et qu'il a recraché. On l'a tous vu. Tout le monde, ils l'ont vu. Ils sont pas. Voilà. Et après, tu vois qu'il les élimine tous et qu'il reste les derniers. Et là, tu captes. En fait, il a clairement bu de l'acide. Le mec a été fort. Il est allé jusqu'au bout. Mais je sais pas ce que c'est les conséquences là sur son corps. Est-ce que ça va? Après, il a recraché direct. Mais quand même, ça défonce la bouche, normalement, non? Murray! Do you like Patrick's? C'est quoi ça? Yes. Okay. Okay, Murray, I'll just do it once. Murray, Murray, Murray. Now watch very closely. We have 3 cards. No, it's 4. I can see another one under this one. On a envie d'avoir un enfant actuellement? Négatif. C'est dans le négatif. Waouh. Oh, ils sont cruels, les enfants. Ils sont cruels. Les gens, là, qui font des spectacles de magie. Devant des enfants, je les respecte énormément. Je les respecte parce qu'un enfant, c'est imprévisible. Tu peux pas détourner l'attention d'un enfant parce que déjà son attention elle est détournée en général. Donc il y a un vrai truc en mode ouais, c'est incontrôlable. Mais là, en plus, la pureté de l'enfant, le mec il lui fait il y a 3 cartes. Non, il y en a 4 et je t'emmerde. Comment il va s'en sortir le mec par contre? En plus, il a de l'école, il laisse. Oh non. À la fin de la vidéo.
qui lui a dit c'est bon Murray, tu peux. Allez Murray, s'il te plaît. Oui, va là-bas, juste là-bas. Oui, va crever. Voilà, c'est ça. Exact. Merci Murray. Allez. Ah, c'est dur de se relever de ça par contre, c'est dur. Wouah. Je sais pas comment il a fait. Hein. Pour l'escapologie. Here we go again. Here we go again. Ah, je crois. Alors, je suis pas sûr, mais je crois que c'est une fille. Et c'est rare. Ça me fait grave penser à la scène l'insaisissable dans le 1 avec la meuf, avec les piranhas, tout ça. Oh, en plus sur Linkin Park. Sur Linkin Park, c'est cool. Par contre, là, je stresse parce qu'on sait tous ce qui va se passer. Les gens qui font ça sont trop chauds. J'ai un gros respect pour eux, mais moi je vais rester avec des cartes, hein, t'inquiète, c'est bien les cartes. Non, je suis pas faible. Putain, tu vois qu'elle se débat. Ça fait longtemps qu'elle est dedans, par contre. Hein. Allez là, sors de là, sors, mais sors. Qu'est-ce qui se passe? Sors. J'ai chaud, je vous dis la vérité, j'ai chaud. Mais elle réussit. Elle a juste à pousser le truc là, non? J'ai chaud, sa mère, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai très chaud. Putain. Elle a perdu connaissance. Elle a full perdu connaissance. Pourquoi je fais des vidéos où je regarde des tours de magie qui ratent? Pourquoi je regarde pas le top 10 des meilleurs tours de magie? Il y a un moment. On l'a vu, il y a un moment où elle est à fond, machin, et à un moment elle est partie, elle est plus là. Wouah. Elle va bien, je crois. Mais wouah. Ok, les gens sont quand même. Après, ça, tu. Je vais essayer de trouver du positif là où il n'y en a pas, clairement. Mais là, t'es sûr que toutes les personnes qui ont vu ça, dans la salle là, ils s'en souviendront toute leur vie. Oh là 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 là. Oh, le dernier. Il m'a fait mal. Ouah. En fait, le moment où tu vois que la meuf, elle est en train de se débattre et que d'un seul coup, juste redémarrage Windows, tu sais, en mode. C'est flippant de fou. Et je me dis, pour les gens qui étaient là dans la salle ce jour-là, ils ont dû bugger, mais à fond, quoi. Ah, c'est effrayant. Enfin bref, les amis, voilà, on a fini cette petite compilation. On l'a fait ensemble. J'espère que vous êtes venus jusqu'au bout. Moi j'ai eu du mal, je vous dis la vérité, j'ai eu du mal, vous avez vu, vous avez vu de toute façon, j'étais pas bien. Mais pour ceux qui sont restés, je suis fier de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un top 10 des tours de magie les plus impressionnants au monde. Parce qu'en vrai moi ça me fait kiffer, parce que là j'ai besoin de positif, là j'ai vécu des trucs trop intenses, je suis pas bien, vraiment. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires quel tour vous a mis le plus mal. Est-ce que c'est l'escapologie? Est-ce que c'est quand le mec prend la main de la meuf et l'éclate contre le clou? Est-ce que c'est l'acide? L'acide, bordel. Mais en fait, le fait de faire des tours de magie avec des trucs aussi dangereux. De l'acide, frère, c'est. Enfin bref, n'hésitez pas à me le dire, je suis assez curieux. Moi, je sais très bien que l'acide m'a matrixé et l'escapologie fort et le clou aussi. Le clou, c'est vraiment le truc qui m'a. Parce que vu que c'est la spectatrice, il y a un vrai truc qui m'est mal à l'aise en plus et c'est. Enfin, c'est fou quoi, de pas maîtriser le tour à ce point et de risquer de le faire avec quelqu'un. Si jamais ça vous intéresse, je pars en tournée dans toute la France et en Belgique. Voici les dates. Donc n'hésitez pas à prendre vos places, le lien de la billetterie est dans la description. Si jamais vous voulez me suivre sur Insta, c'est dans la description aussi. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas. Je vous fais des bisous et je vous dis, ne faites pas de l'escapologie. Restez dans la nature, restez bien, allez pas dans les cuves d'eau, c'est dangereux. Je compte sur vous. Ciao.